Yo les ghosts, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, comme vous savez sur ma chaîne, ceux qui me suivent, je vous fais une vidéo sur tout. D'accord, je vous fais des guides, des solo specs, des armes méta, des accessoires méta. Mais malheureusement, quand il y a un pompe qui va foutre la merde sur Warzone, je vous le dis aussi. C'est toujours pas peut-être au stade de foutre la merde, mais c'est très fort. Comme vous savez, avec mon ancien pompe, le coup par coup, il fallait vraiment être bon avec pour pouvoir exploser. Celui-là, c'est plus facile en fait. Et ça fait plus de dégâts. Donc c'est toujours pas super facile comme ma pompe automatique origine 12 machin. Mais c'est quand même plus facile que le coup par coup. Donc logiquement, je pense que plus de gens vont jouer avec. Parce que le tir au jugé est facile. Le tactique est facile. Ça tire en semi-auto, donc ça tire plus vite. Et ça fait plus de dégâts maintenant. C'est ça le problème de la saison 5 du coup. C'est que ça fait plus de dégâts dans le mode semi-auto. Je vais vous montrer en détail les dégâts. C'est grâce à un YouTuber qui s'appelle Goumi. Un Anglais qui fait des vidéos que sur les pompes. Voilà, c'est son truc, c'est les pompes. Du coup, j'ai vu ça grâce à lui, donc merci à lui. Donc voilà le graphe, les amis, c'est super simple. Regardez, à gauche, en gros, c'est les paliers de les distances de dégâts. Hein, là où ça change à chaque fois. Deuxième colonne, le nombre de fois il faut toucher pour le mettre à terre. Troisième colonne, les dégâts. Et la quatrième colonne, c'est le TTK. Donc ça, c'était avant saison 5. Donc comme vous pouvez voir, le TTK le plus faible possible, on est à 658 mètres jusqu'à 5 mètres. Et il faut quand même toucher 3 fois, donc c'est pas super évident dans le mode semi-auto. Maintenant, regardez la saison 5. Les amis, on est à... Il faut juste toucher le gars 2 fois pour un TTK de 300 ms à 2,3 mètres. C'est pas beaucoup, mais avec le build du pompe que je vais vous montrer, la classe spécifique, on va jusqu'à 4,5. Ok, et ça c'est déjà quand même vraiment pas mal. Mais de toute façon, même si vous allez au-dessus des 4,5 théoriques, qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi le prochain truc? On est à 600 millisecondes de TTK. 600! Et il faut toucher le gars 3 fois. C'est ridicule. C'est tellement plus facile qu'avant. On est plus rapide que le TTK de toutes les SMG, sauf la statique si tu vises bien la tête et tout, qui est à 580 ms. C'est pas loin. Là on parle d'un pompe où il faut tirer au jugé, où les balles connectent facilement parce que c'est plus précis. Hein. Regardez dans le stand de tir. Vous voyez le réticule, ça sort en mode coup par coup. Et quand on vise, c'est beaucoup plus resserré. Il n'y a aucun doute. Voilà. Donc la classe, les amis, il faut qu'on en parle parce que c'est un peu différent du mode coup par coup. Pas beaucoup, juste deux accessoires qui changent. Le canon, c'est pareil, pas de cross pareil, poignée arrière pareil. Donc maintenant, en fait, il faut mettre souffle du dragon parce que bizarrement, sur ce jeu, ça augmente énormément le premier palier de la portée. Vous voyez, là, on est à 4,3 mètres. Donc, ça veut dire qu'on peut tout taper quelqu'un jusqu'à 4,3 mètres. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une dinguerie. Et après, on met le choke extend pour un petit peu augmenter, voilà, la portée un peu plus. Pas besoin de mettre les autres trucs qui aident avec le recul, parce que comme vous avez vu, le semi-auto réduit déjà beaucoup la dispersion des balles. Donc écoutez dans ce temps de tir ce que ça veut dire. Là, ça veut dire que quand vous êtes en dessous de 4,5 mètres, là, il est mort. C'était rap... C'est 300 ms. Ça, c'est du 300 ms, les amis, ça. Là, il est mort. 3 coups, il est mort aussi. Là, on est jusqu'à 9 mètres, là. Est-ce que ça a l'air long pour vous en écoutant? Non, c'est pas long du tout. Bon, évidemment, c'est sur papier, les amis. Le gars en face, il va bouger. Vous allez peut-être rater des balles de temps en temps. Donc, le TTK, c'est sympa, mais il faut toucher vos trucs, ok? Évidemment, il faut toucher les balles pour pouvoir tuer le mec. Donc là, je pense que ça va quand même pas être trop partout, mais c'est beaucoup plus facile que le mode pompe d'avant. Il fallait être bon en déplacement et tout. Là, il faut quand même être bon en déplacement, mais en vrai, il faut juste savoir bien viser et c'est beaucoup plus facile. Du coup, bon. Donc, je suis désolé, hein, il faut que je vous partage cette classe parce que comme ça, vous êtes au courant, tout le monde est au courant. Enfin, en tout cas, ceux qui me suivent, vous avez de la chance, les gars. Et puis, voilà. Après, avec ça, du coup, j'ai joué la MTZ que j'aime énormément. J'ai fait une vidéo dessus hier qui expliquait les nouveaux accessoires ici. Je la kiffe tellement, la MTZ, là. C'est un vrai, vrai régal. Voilà, les GOATS. Donc, une game solo à plus de 30 kills avec ce pont. J'ai fait un carnage toute l'après-midi avec ce truc. C'était incroyable. Mais bon, voilà. Bon visionnage et on se voit demain pour la prochaine vidéo. Ciao.
GG's, mate. Un largage tactique est en route. Ça marche, Adem. Yo, Exander. La sensi qui change dans les voitures, c'est magnifique ça. Bon. Je pense que ça va pas être si évident que ça le pompe en vrai. Je pensais que ce serait plus fumé, mais il faut vraiment pas louper du coup, je sais pas. Je suis pas sûr. Si tu le pas, je crois que tu vas battre tout le monde par contre. Me dirige par là, laissez tomber. La même chose. C'est mignon. Can't touch this. Can't touch this. Je dois arracher une gourde d'eau là. Je dois acheter une gourde d'eau, je pense, saison 5, pour ramasser les larmes de tous les joueurs manettes que je vais pomper là. Oignon! Oignon! Mascav Gaming marche pas contre le pompe. Je me régale. Est-ce qu'on peut mettre le ballon sur le train? Ah merde. Et ça marche pas.
peut-être pas en haut, peut-être sur les wagons. J'ai pris une balle de snipe d'un autre mec, hein. C'est même pas le gars à côté de moi qui m'a eu. Wow. Ah ouais, non mais contact là, ça va être spécial là. Nice. La combien MTZ? La 556, beau gosse. La Aeron. Achète un récupérateur d'eau. J'adore. Il y a un shop dedans, ouais. Avec un petit tiro, c'est très sympa. Il est très très stylé le super stand. Mais le fait qu'il y a franchir aussi, ça change beaucoup de choses parce qu'on n'avait pas franchir avant. Du coup, ouais, franchir là, ça, c'est pas mal. Ah, cet tiro est incroyable aussi là. Youp. Commence comme ça, la première goutte. La première goutte pour collecter, pour remplir la gourde. Mais en fait, je peux jouer au jugé, il n'y a pas besoin de viser. Oh oh. Oh oh. Spaghetti. Oh oh. Vous vous souvenez le pompe l'espace 12 de la saison 4. J'ai fait un guide de mouvement et tout. Bah là, c'est encore plus fort là. Donc oui, un bon joueur manette qui fait une glissade. Ennemi déployé dans la zone. Surveillez le ciel. Il y a moyen qu'il peut te baiser quand même. Vas-y ma mère, vas-y, dis quelque chose sur ma mère encore. Grosse merde, va. Bon, ballon. Je tente Goulag. J'ai déjà le Goulag, c'est bugué. Je l'ai même dans l'inventaire là. Ouais, il s'est passé un truc très intéressant et du coup, bah, je suis marrant. Vraiment sympa le timing. Il n'y avait pas le logo en bas à gauche et en appuyant sur le celui dans le sac, ça l'a remis. Tu vas. Je vais perdre 0 goulette cette saison. Hein. Si on a le pompe à chaque fois, gros, je vais en perdre 0. Ah. Là, alors là, on se met en automatique, enfin en semi plutôt. Et
puis voilà. Hein. Bon. Est-ce qu'il a pris le jeton ? Meilleur 500 que la MTZ ou la MCW ? J'ai pas essayé la MCW avec les nouveaux accessoires, pas encore. On peut essayer tout à l'heure d'ailleurs. Y'a plein de trucs à essayer encore, c'est cool. C'est sûr qu'on est vendredi. J'aurais bien voulu streamer demain quoi. Mais demain je suis occupé. T'as peur de m'en vouloir ? Non mais les LMF, c'est moi qui me suis arrêté. Wow, en fait, c'est plus rapide juste que le coup que le... Non mais c'est trop. Je vais me faire insulter pendant longtemps, je pense. Le chat d'Oban. Le chat de qui ? T'es vraiment une grosse merde ADM, hein. Tu le sais ça ou quoi ? Je pense que t'as compris mais... C'est du frisbee le bordel. Balle de snipe. J'atterris dans l'eau, je me fais raise. Non. Non. Oh. Oh. Merde, j'ai pas vu si c'était sur la tour. Ouais. C'est du rage quit de qualité, ça. Ça, c'est du bon rage quit, ça. Rage quit. Quit. Oui, ils l'ont baff, Cruzy. Ils l'ont baff les dégâts du semi-auto. T'es puni ! Il s'appelle puni. Bon, il y a un gars sur ma droite. Il y a forcément des gars... Ah ouais, j'aurais dû péter le ballon. Ma bad. Thank you.
établi. It's me again. It's raining, man. Hallelujah. Perdu. Ma fumée. Holy shit. Oups. Il y a un gars là. Il reste que deux gars. Il y a un ennemi. Le dernier, je le pompe, non? Ouais. Ouais, je l'ai pompé, le dernier, let's go! C'est quoi ta couleur préférée?